t'es le meilleur, franchement. Arrête, arrête, oh. Ah, je n'ai fait que mon travail, hein. Bonjour à tous. Alors ici, nouveau petit problème sur une Citroën Berlingo 1600 HDI. Donc, elle est en panne, elle est tombée en panne du jour au lendemain. Et d'après le garagiste, c'est un problème de communication avec les boîtiers électroniques. Ils ont un petit peu tout regardé. Bon, elle a fait quand même deux garages. Donc l'un qui pensait que c'était la distribution avec la pompe d'injection. Bon, il fallait tout refaire. Enfin bref. Et donc là, je décide de prendre le calculateur sur table et de l'analyser. Et je vois qu'il communique parfaitement. Donc là, de ce côté-là, je me dis que l'entrée et les sorties du calculateur sont parfaitement correctes et qu'il fallait bien entendu investiguer et voir sur le véhicule. Je vous laisse visionner la seconde partie. À tout de suite. Donc, voilà ici ce qu'on peut constater, c'est que donc il n'y a plus de connexion ici avec le calculateur moteur qui est là. Il n'y a plus de courant qui arrive et on peut constater ici qu'au niveau du fil, bon, forcément quand je regarde le schéma de câblage, on me parle de ce câble là et quand je touche, je vois ici qu'il a grossi en réalité. Tout ça à cause de quoi? Eh bien à cause de l'acidité de la batterie. On peut voir un petit peu tout ce, on va pas dire du calcaire, mais c'est de l'oxydation. Et c'est l'oxydation qui a fait ça. Et on voit il y a plusieurs câbles, comme ici le gris aussi, qui a complètement été rongé, boursouflé. Et là voilà, je constate ici un vide entre. Et là le vide. Donc ça c'est le deuxième câble qui me semble pourri. Si je tire un peu dessus, regardez. Hop, et voilà. Donc ici le câble complètement pourri. Et donc... oxydé. Je sens déjà mes doigts qui picotent un petit peu par l'acidité, complètement brûlé. Donc déjà ça, déjà ce câble dans un premier temps, il est complètement bouffé. Forcément ici, on a tendance à dire qu'il faut remplacer le calculateur moteur. Quand je mets le contact, ici qu'est-ce que je peux constater? Donc je coupe le contact, je mets le contact, ok. Il n'y a pas de témoin moteur, vous voyez. Donc pas de bougie de préchauffage. Pas de témoin moteur dès que je mets le contact. Il n'y a rien qui se passe, forcément. Lorsque je mets l'ordinateur de diagnostic, pas de communication avec le calculateur moteur, ni rien du tout. Okay? Donc forcément, quand on vérifie le câblage et tout le système, on voit que, eh bien, que le système ne communique pas. Et on a tendance à dire, voilà, on va remplacer le calculateur moteur ou bien ici le BSM. Voilà. Donc ici quand on dénude un petit peu, donc on voit déjà celui-ci qui est abîmé. Je soupçonne aussi l'autre ici, le bleu. Vous voyez le bleu ici à l'intérieur de la gaine, quand il est bien bleu, hein, c'est un bleu clair, hein, je vais pas dire bleu roi, mais c'est plus un bleu beaucoup plus. Et là on voit qu'il a été un petit peu délavé et lorsque je le touche, je sens qu'il s'est un petit peu élargi et oxydé de l'intérieur. Alors qu'il n'y a aucune fente. Hein. Ben voilà quoi, comme ça, vous pouvez constater ça. Je vais bien entendu vérifier tous les autres câblages pour s'assurer qu'on a bel et bien un contact franc. Parce que je vois des autres câbles, même ici en dessous. Voilà, l'autre bleu aussi. Regardez-moi ça. On a au moins 5-6 câbles qui sont totalement oxydés. Voilà les gars, donc ici, vous avez vu sauvagement, donc je rectifie ici le câble, hein, déjà dans un premier temps. Ce que je vais faire bien sûr, c'est couper le contact et mettre le contact. Donc je coupe le contact, je mets le contact et voilà, donc on voit l'apparition du témoin moteur qui est revenu ici. Donc bonne nouvelle, normalement ça va démarrer, on sent qu'elle va prendre, voilà. Donc déjà très 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 bonne nouvelle ici, du fait qu'on obtient le témoin moteur qui est là, ça veut dire qu'il y a de la communication avec le calculateur moteur. Voilà, super. Franchement. Arrête, arrête, oh. Ah, je n'ai fait que mon travail, hein. C'est vrai qu'elle est en panne quand même depuis quelques temps. Et puis le mec il pète un câble. Donc pour finir, c'était uniquement le petit gris, hein. Enfin, le petit bleu est à refaire, hein, c'est pas ça, hein. Mais une fois qu'on a fini de faire ça, bien isolé, mettre un petit peu de gaine,
Et voilà, donc on voit ici autour de la batterie, il y a énormément d'oxydation. Et voilà, on laisse traîner parfois ce genre de problème et je sens vraiment l'acidité dans mes doigts. Et bien sûr, ici tout a été démonté. Le problème, c'est que voilà, on pense à des autres problèmes comme le carburant et tout ça. Donc après, on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Et voilà, mais là, il y a encore des fuites ici au niveau des injecteurs. Mais ça, c'est un autre problème. Le plus important, c'est que ça démarre. Voilà, c'est ça, l'essentiel c'est que ça démarre. Hein. Et bon, ici il y a le témoin moteur, forcément le débitmètre il est pas mis, il n'y a rien qui est mis, voilà. Allez, en espérant que ça vous a aidé, je vous dis à très bientôt, merci à vous.